Bonsoir à tous mes abonnés, une fois encore de plus, je vous dis merci. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment est-ce que faire un info propriétaire sur Android. De façon très simple, c'est quoi un info propriétaire? En fait, un info propriétaire, c'est le message qui s'affiche ou bien qui défile lorsque votre écran smartphone, votre écran est verrouillé. C'est-à-dire lorsque votre écran est verrouillé, il y a un message qui défile sur l'écran, c'est ça qui est l'info propriétaire. Donc, je vais vous montrer comment je fais cela. Pour faire cela, vous parlez simplement dans paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Et après, vous cherchez l'option sécurité. Vous cliquez là-dessus. Et vous voyez, voici les paramètres info propriétaire. Vous cliquez là-dessus. Et vous voyez, lorsque vous cochez la case, comme cela, vous cochez la case. Et vous écrivez le message que vous voulez. Par exemple, je vais écrire je m'appelle Android 5.1. Je suis un lollipop. Ici un lollipop et je mange. Ok, c'est fini, je ne peux plus écrire. Bon, c'est pas grave, ça a été là. Je m'appelle Android 5, je suis un lollipop. Vous voyez, lorsque vous avez fini d'écrire ce message, c'est terminé, vous souhaitez tout simplement. Et c'est terminé. Et lorsque vous allez verrouiller votre smartphone Android et que vous allez vouloir encore le déverrouiller, vous allez voir qu'il y a un message qui va défiler sur votre écran. Ça veut dire que le message que vous avez écrit dans les infos propriétaires, c'est ce message qui va défiler sur l'écran. Et donc, c'est tout pour ce tutoriel. Donc, si vous avez aimé ce tutoriel-là, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour d'autres tutoriels.